11 minutes sur les ondes d'AG 3. L'actualité politique avec vous, Chaki Benzavi Shaky, bonsoir. Bonsoir, Rajal. Le Maroc et ses alliés israéliens et émiratis poursuivent leur manœuvre de déstabilisation dans la région du Sahel. Selon des sources proches du dossier, un budget de 15 millions d'euros a été débloqué par les Émirats arabes unis au profit du Maroc pour financer des campagnes médiatiques subversives. Eh bien oui, donc ce budget de 15 millions d'euros est uniquement consacré à lancer des campagnes médiatiques et des campagnes sur les réseaux sociaux pour déstabiliser les pays du Sahel. Il est aussi question d'une campagne de désinformation et d'intox pour créer un climat de tension entre l'Algérie et les pays du Sahel. Ce trio de la haine et du mal s'est mis à la solde de l'entité sioniste par la signature déjà des accords d'Abraham. Rappelez-vous, aussi le 11 novembre, dernier, le sommet arabo-musulman en Arabie saoudite où l'Algérie avait proposé des mesures fermes à l'encontre des crimes commis par l'armée sioniste a pris malheureusement une tournure décevante marquée par le veto des pays alliés d'Israël, le Maroc et les Émirats arabes unis entre autres. Alors qu'attendez-vous de ceux qui ont trahi le peuple palestinien Si l'on parle du Marzan, il a troqué ses principes. Pour un soutien à une chimérique, chimérique, souveraineté sur le Sahara occidental. Quant aux Émirats, Arabes-Unis, Tout le monde sait que l'accord a été motivé en partie par des préoccupations communes concernant la menace que représente l'Iran. Donc euh, cet axe Rabat, Abu Dhabi, Tel Aviv, par ce budget exclusivement dédié à acquérir des parts euh, dans certains médias en France et en Afrique, veut lancer des campagnes en direction du Mali et du Niger pour vendre l'idée que c'est l'Algérie qui finance euh, la déstabilisation de ces, de ces deux pays frères. Alors oui, déjà plusieurs articles là hein, mention sont déjà parus dans ce sens l'algérie dérange et pour cet axe du mal il ne faut pas qu'elle joue son rôle de puissance régionale et de maintien de la paix sauf que cette diversion ne passera pas car l'algérie est un pays messager de la paix tandis que le maroc et les émirats et israël sont porteurs de grands dangers pour la paix dans le monde l'algérie a de tout temps été attaché à ses nobles principes, au soutien au peuple sahraoui pour son autodétermination à travers les résolutions onusiennes, a toujours aussi soutenu le peuple palestinien et encore aujourd'hui n'a pas peur de dire par sa voix officielle ce que les larbins à la solde de l'entité sioniste s'empêchent de dire. Ses plans hostiles étaient bien connus, aujourd'hui ils sont révélés au grand jour, mais l'Algérie dispose de tous les moyens matériels et humains pour y faire face eh bien, c’était l’actualité politique de ce mardi avec cheikh ibn Saoui. merci pour cet éclairage.